Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todas y a todos. Como consejero agrícola de la Embajada de Francia, en primer lugar, quisiera dar las gracias al presidente de la IOJA de Cereals de Barcelona, José Luis Esteban, por la organización de esta conferencia sobre la cosecha de cereales en Francia en colaboración con France Export Cereal. También quisiera saludar a todas las empresas españolas y francesas del sector de los cereales, molinería y fabricación de alimentos para animales que participan a esta jornada. Aprovecho este formato de videoconferencia adaptado a esta nueva normalidad que estamos viviendo en Francia como en España, para compartir con ustedes la experiencia de la crisis sanitaria que hemos vivido en primavera, basada en tres puntos rápidos desde la Embajada de Francia. El primero es una constatación. El impacto de la COVID-19 y de las medidas tomadas para hacerle frente han afectado enormemente a la actividad económica en Francia y en España. Sin embargo, se han mantenido los flujos comerciales entre Francia y España, y esta continuidad se debe a los esfuerzos de los dos países para actuar de manera concertada y coordinada frente a la crisis. Esta coordinación hispano-francesa ha hecho que, incluso en el momento más tenso de la pandemia, las fronteras permanecieran abiertas para las mercancías, en particular en lo que respecta a los cereales y a la harina. Esta continuidad de los flujos comerciales, a pesar de las incertidumbres sanitarias y los problemas logísticos, se debe también a la constante preocupación de los operadores de Francia por estar al servicio de sus clientes españoles. Y de esta manera, todos han desempeñado su papel y el comercio agrícola y alimentario entre nuestros dos países, que supone más de 12.000 millones de euros al año, ha podido continuar a pesar de las dificultades. Y esto es fundamental porque nuestra colaboración en este contexto sanitario tan particular nos permitirá lograr los objetivos de recuperación en ambos lados de los Pirineos. Asimismo, la crisis sanitaria produce al menos un efecto positivo. Está generándose entre las empresas agroalimentarias de Francia, que habían apostado todo por la exportación a gran escala, en concreto en Asia y en Estados Unidos, un renovado interés por los mercados históricos y locales, como es el caso del mercado de Cataluña y de España. Y por otro lado, se desarrollan mayores expectativas que antes desde las empresas españolas en establecer contactos más estrechos con los socios de Francia. En los próximos minutos, los profesionales franceses presentarán en detalle las características de la cosecha de Francia, que, sin desvelar sus intervenciones, será menos importante de lo esperado en términos de volumen. Pero puedo asegurar a nuestros socios catalanes que Francia seguirá siendo un fuerte exportador de cereales este año, una vez más, y que la cosecha de 2020 nos permitirá satisfacer las necesidades de los operadores catalanes, tanto en términos de cantidad como de calidad. Pues les deseo unos excelentes intercambios con los expertos de France Export Cereal y muchas gracias por su atención.
connais ou pas. Buenos días. Quiero presentarles al señor Philippe Poquet, que nos dará una impresión sobre el tema de los cereales franceses a través de Export Cereal. ¿Sí, Poquet? Bonjour, merci Monsieur le Président. J'ai donc le plaisir de vous présenter la situation des marchés internationaux des céréales avec ensuite une description plus précise des bilans français pour la campagne en cours. Tout d'abord, il est important de bien avoir conscience du contexte macroéconomique pour mieux comprendre la situation des marchés. Et sur cette diapo, vous avez trois colonnes. Le taux de change euro-dollar à gauche, le coût du fret au milieu et à droite, le cours du pétrole. En haut, il s'agit des évolutions depuis un an sur courte période, en rouge, et en bas, les évolutions sur 20 ans. Qu'est-ce que l'on peut voir si on commence par le pétrole à droite? Bien sûr, c'est la forte chute du cours du pétrole pendant les périodes de confinement dans le monde entier. Le pétrole a atteint des niveaux plus bas que jamais enregistrés auparavant. Les cours sont remontés à la suite des principaux confinements pour se stabiliser autour de 40 dollars par baril, avec de nouveau une chute en octobre à l'annonce des nouveaux reconfinements et puis une envolée, mais jusqu'à un niveau quand même qui reste faible autour de 40 dollars par baril suite à l'annonce des premiers vaccins. En fait, cela a aussi une conséquence directe sur le taux de fret. On voit que les taux de fret avaient chuté pendant la période de confinement. Les taux de fret ont remonté ensuite, mais la Chine est toujours dans une situation de commerce plus faible que d'habitude et donc tout ce qui est transport très longue distance, capsize, reste à des niveaux de prix très très bas. En revanche, le transport petite distance, lui, est très cher parce qu'il y a une demande qui est revenue. En ce qui concerne le taux de change à gauche, eh bien, on voit que en sortie de pandémie, l'euro s'est renchéri par rapport au dollar, ce qui n'est pas forcément intéressant pour notre compétitivité. Et on est aujourd'hui à un niveau de l'ordre de 1,2 euros pour un dollar. Ce qui est intéressant, c'est de comparer l'évolution des monnaies de principaux pays exportateurs pour mieux juger de notre compétitivité. Ici, vous verrez que sur ce graphique, il y a en bas, sur le graphique de droite en bas, l'évolution des monnaies des pays émergents. On voit en violet le Brésil, dont le cours par rapport au dollar a fortement baissé. On voit en noir le rouble. On voit en gris la hryvnia d'Ukraine et en jaune le peso argentin. La plupart des monnaies des gros pays exportateurs émergents a baissé par rapport au dollar. Au contraire, les monnaies des pays développés comme l'Australie, le Canada, l'Union européenne, par rapport au dollar, se sont renchéries, et également la monnaie chinoise que l'on voit en rouge sur le graphique. Tout ceci est un petit peu embêtant parce que cela prouve que les pays européens vont avoir un déficit de compétitivité lié à la monnaie par rapport aux pays émergents comme le Brésil, l'Argentine, la Russie ou l'Ukraine. Maintenant, si l'on regarde de plus près la production, quelle a été la production de céréales au cours de cette campagne? On va voir qu'il s'agit dans la plupart des cas d'une production record, mais attention, record à relativiser. Sur le graphique de gauche, vous avez en bleu la production de maïs. On voit qu'elle est sur une courbe ascendante depuis plusieurs campagnes. En jaune, la production de blé qui, elle, fluctue, reste plutôt stable. En fait, on s'attendait il y a quelques mois à avoir des niveaux beaucoup plus élevés, mais la sécheresse qui s'est abattue depuis l'été partout, eh bien, a contrarié ces prévisions très optimistes. On peut voir
sur la droite en haut un graphique qui représente la production de blé tendre. Alors, c'est un graphique un peu complexe au départ. L'axe horizontal montre l'évolution de la production par rapport à la campagne précédente. Plus un pays est sur la droite, plus sa production a été forte par rapport à la campagne précédente. Sur l'axe vertical, il s'agit du niveau de production. Donc, les pays qui ont la production la plus forte sont en haut de l'axe. Et la taille du logo qui représente le pays, c'est la capacité exportatrice. Donc, on voit que pour le blé tendre, cette stabilité de la production, elle est due d'une part à une augmentation de la production russe, un petit peu canadienne, mais surtout australienne. L'Australie revient de très loin après deux campagnes désastreuses. Et les pays qui ont perdu en production, c'est l'Union européenne, le plus gros producteur de céréales, mais également les États-Unis, l'Ukraine et l'Argentine, tout ça à cause de sécheresse. En ce qui concerne le maïs, la situation est plus simple. On a d'un côté les deux plus gros producteurs qui sont les États-Unis et le Brésil qui ont fortement accru leur production tout en étant obligés de la réviser à la baisse dernièrement, notamment le cas du Brésil. Et par contre, ont perdu l'Ukraine et l'Argentine. Pour les autres céréales, la situation est un petit peu moins favorable. Pour les orges, suite à des campagnes très très mauvaises, on est maintenant à un niveau qui est normal, mais qui reste légèrement inférieur à la moyenne des années précédentes. Et on voit que pour les orges, c'est la Russie et l'Australie qui ont vu leur production augmenter. Par contre, l'Union européenne, toujours à cause de la sécheresse, a perdu en production, de même que l'Ukraine et l'Argentine. Pour ce qui est du blé dur, eh bien là, on a également une baisse de production, en dépit de l'augmentation de la production canadienne et de la production américaine, baisse de production essentiellement liée à la baisse de production de blé dur en Europe et un petit peu... Pour ce qui est des bilans mondiaux, donc après la production, il est intéressant de voir comment cette production est utilisée. Eh bien, on peut voir que pour ce qui est de la consommation humaine, qui est donc la quatrième ligne de chiffres à gauche, on peut voir que la consommation humaine, de toute façon, augmente régulièrement en fonction de la population. Là où il y a plus de variations, c'est sur la consommation animale. Et la consommation animale, il y a un arbitrage permanent entre le maïs et le blé tendre, arbitrage qui, depuis le début de la campagne, se faisait plutôt au bénéfice du maïs, mais comme on le verra, les cours du maïs ont tendance à augmenter beaucoup plus maintenant. Peut-être que ces bilans vont être révisés avec plus d'utilisation de blé tendre pour l'alimentation animale. Utilisation industrielle de maïs va augmenter, on va le voir, suite à la reprise économique et aux besoins de bioéthanol. Mais ce qui est intéressant, ce sont les stocks. À droite, le graphique montre le ratio stock sur utilisation. Et on peut regarder d'abord la courbe en haut rouge, qui est la courbe du ratio stock sur utilisation du blé tendre, et on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose de formidable, puisque ce ratio atteindrait 40%. En fait, il ne faut s'intéresser qu'aux pays exportateurs, parce que ce sont ces pays exportateurs qui vraiment peuvent mettre sur le marché du blé tendre et qui peut donner une idée des tensions qui existent sur ce marché. Et là, c'est la courbe en jaune, la courbe qui est en bas du graphique à droite. Et on voit que si l'on regarde ce ratio stock sur utilisation uniquement pour les grands pays exportateurs, eh bien ce ratio est en baisse et il est très faible, inférieur à 10%. On considère souvent qu'en dessous de 12-13%, lorsque ce ratio est trop faible, eh bien cela entraîne des réactions sur les marchés, une certaine volatilité sur les marchés. Pour ce qui est du maïs, c'est la courbe en bleu en haut qui descend très fortement. En fait, cette courbe concerne principalement les stocks de maïs chinois. Et si l'on s'intéresse aux stocks de maïs hors Chine, c'est la courbe en bleu foncé qui est en bas. Eh bien, on voit que là aussi, on est sur des stocks qui sont plutôt en baisse par rapport aux utilisations et en dessous de 15%. On peut voir que pour les orges, la courbe en verte, on est plutôt sur une remontée des stocks grâce aux bonnes récoltes qui ont succédé à des mauvaises récoltes précédemment. Et pour le blé dur, la courbe en mauve au milieu, eh bien là, on est plutôt sur des stocks, un ratio stock sur utilisation qui baisse et qui atteint des niveaux qui sont beaucoup moins intéressants qu'auparavant.
Les cours. Alors, on peut voir sur cette diapo, en haut, l'évolution des cours du blé tendre, au milieu, les orges, en bas, le maïs. Pour ce qui est du blé tendre, comme pour les orges, comme pour le maïs, on voit qu'on est vraiment sur des périodes de cours ascendants. En ce qui concerne le blé tendre, en fait, ces cours augmentent depuis le mois de juillet, depuis le début de la campagne, surtout parce que la Chine est de plus en plus à l'achat de blé tendre et également la sécheresse qui a impacté l'Europe et la mer Noire ainsi que va impacter le sud de l'Amérique avec la Niña, eh bien tout ceci fait que les cours sont plutôt à la hausse. Et ce qu'on peut remarquer sur ce graphique, la courbe en noir qui correspond au cours du blé tendre de la mer Noire, eh bien, qui était tout au début de la campagne inférieure à la courbe bleue qui sont les cours de la France, de l'Union européenne, pardon, eh bien, on voit que les cours du blé mer Noire a rejoint les cours du blé européen. Donc, nous ne sommes plus en déficit de compétitivité sur les marchés internationaux. Hein, nous ne sommes pas plus chers que la mer Noire actuellement. Pour les orges, eh bien, pour les orges, on voit une courbe en bleu qui est l'orge française très chère, en fait, parce qu'il y a une demande chinoise extrêmement forte. Et en revanche, la courbe en vert qui est l'orge australienne, elle décroche parce qu'il y a un contentieux politique avec la Chine. Pour le maïs, eh bien, on a une très très forte remontée des cours du maïs, hein, toutes origines, quelle que soit l'origine, on est à peu près maintenant au même niveau. Et tout ceci, c'est dû bien sûr à la forte demande de la Chine qui a reconstitué plus vite que prévu son stock de son cheptel porcin suite à l'épidémie de peste porcine africaine et qui a également développé rapidement un secteur avicole pour pouvoir compenser l'absence de viande porcine. On est aussi dans une situation où le maïs revient à l'utilisation pour faire du bioéthanol, car l'activité économique remonte. Et ce qui est certain également pour le maïs, c'est que les récentes révisions à la baisse des prévisions de production au Brésil, en Argentine, font que cela soutient les cours du maïs. Donc des cours de céréales qui sont à la hausse. Pour le blé dur, eh bien, globalement, là, on a une hausse qui est depuis 2 ans. Avec, en début de campagne, en juillet-août, une forte baisse du cours du blé dur parce que la récolte canadienne promettait d'être excellente. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce sont les récoltes de l'Europe et de la mer Noire qui, en fait, étaient beaucoup moins fortes que prévu. Et bien, tout ceci, à partir du mois d'octobre, entraîne de nouveau une remontée du cours du blé dur, avec aussi l'inquiétude de stocks qui sont un petit peu limites. Bien, venons-en maintenant à la production française. Eh bien, il faut savoir que les récoltes de céréales ont été impactées par une année avec des conditions agrométéorologiques extrêmes. On voit sur la carte de France à gauche, c'est la carte correspondant au blé tendre, et on voit que pratiquement toutes les régions ont été impactées avec des niveaux de production inférieurs à 20% en rouge foncé. Et là, bien sûr, c'est à cause principalement de la sécheresse. Pour le blé dur, à peu près la même situation. Hein, une grande partie de la récolte et une grande partie des zones de production impactées. De même pour les orges. Il n'y a que pour le maïs, en bas à droite, où on voit une carte de France avec une partie ouest-nord qui a été relativement épargnée, avec au contraire des productions qui sont supérieures à celles de la campagne précédente, et une partie centre et sud-est, où là, on a eu des productions inférieures à la normale. Pour l'ensemble des céréales, on peut dire que nous sommes avec une récolte 2020 par rapport à la récolte 2019 inférieure de 20%. C'est quand même assez important. Alors, comment est-ce que ces productions, ces récoltes plus faibles, ont pu être réparties dans leur utilisation? Tout d'abord, pour le blé tendre, on voit à gauche une carte de l'Europe où on voit que, en fait, certains pays comme la France, mais également la Roumanie, la Bulgarie et la Finlande ont été impactés par ces problèmes de mauvaise récolte. Au contraire, l'Espagne et les pays baltes, la Pologne, eux, ont bénéficié d'une très forte récolte de blé tendre. Donc, une situation très déséquilibrée en Europe, ce qui fait que, en ce qui concerne la récolte française, eh bien sûr, l'utilisation va être
assez constante pour tout ce qui est panification, pour l'alimentation humaine. Et on pense pour l'instant qu'il y aura une partie de cette récolte qui ne sera pas destinée à l'alimentation animale. On va économiser sur l'alimentation animale, mais tout ceci peut évoluer en fonction des cours respectifs du maïs et du blé tendre. Par contre, le gros poste où va se répercuter cette baisse de récolte, ce sont les exportations et principalement les pays tiers. Pays tiers, attention, pas tous les pays tiers. Vers la Chine, nous maintenons un flux d'exportation très fort. C'est vers l'Algérie, qui s'est ouverte cette année aux pays de la mer Noire, que nous pensons réduire nos exportations, et également faiblement vers l'Union européenne. Bien sûr, quand on voit la qualité et la quantité de la récolte espagnole cette année, ce n'est pas forcément vers l'Espagne qu'auront lieu le plus d'exportations. Pour les orges, eh bien, une situation un petit peu similaire avec quelques pays fortement impactés, dont la France. Là, le principal problème, c'est pour les malteries, puisque la production de bière est un secteur en expansion régulière, mais les malteurs ont très peur d'être un petit peu à court d'orge cette année. Voilà. Par contre, pour les orges fourragères, ce qui est certain, c'est que nous allons baisser nos exportations pour les pays tiers, encore une fois, partout, sauf la Chine. Et la demande en orge de l'Union européenne s'avère relativement faible quand on voit la carte d'Europe où la plupart des pays ont eu des bonnes récoltes. Pour le maïs, eh bien là, pour le maïs, donc la récolte européenne a été plutôt correcte, principalement dans le centre et dans le nord. Seule la Roumanie a eu une très mauvaise récolte. Donc l'augmentation de cette disponible va aller en principe surtout pour l'alimentation animale, mais également pour le bioéthanol, car il y a un redémarrage de l'activité économique. Et toujours des exportations relativement faibles vers les pays tiers et tout à fait maintenu vers les pays de l'Union européenne, puisqu'il n'y a absolument aucun problème de récolte de maïs en France cette année. Pour le blé dur, eh bien, on voit que la production a été à la baisse pour les grands pays producteurs, Italie-France. Par contre, Espagne a augmenté sa production, ainsi que la Grèce. En ce qui concerne l'impact de la baisse de récolte française sur l'utilisation, ce va porter un tout petit peu sur la semoulerie. Le problème, c'est qu'il y a un besoin de pâtes. En période de confinement, on l'a vu cette année, il y a eu une demande extrêmement forte sur la semoule et sur les pâtes. Par contre, très peu d'exportations vers les pays tiers et certainement un petit peu moins d'exportations vers les pays de l'Union européenne. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est une baisse du stock. Mais attention, le stock que l'on voit ici de 114 000 tonnes est un stock qui correspond en fait au stock uniquement de blé dur en grains chez les collecteurs. Or, on sait qu'il y a des stocks de semoule et de pâte chez les transformateurs et également chez les distributeurs, ce qui veut dire que le marché est loin d'être pour l'instant vraiment en pénurie. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fini avec la présentation de ces marchés internationaux et français. Merci pour votre attention. A continuación, quiero presentar quiero presentarles a Adeline Tré y Tomás Joly de Arbalit, que nos hablarán de la calidad de la cosecha francesa de cereales. Gracias. Bonjour à tous. Donc, je suis Adeline Streif, je travaille dans le service qualité et valorisation d'Arvalis Institut du Végétal. Et moi, je vais vous présenter la qualité des principales céréales à paille françaises, à savoir le blé tendre et l'orge. Mon collègue Thomas Joly vous présentera le maïs par la suite de mon exposé. Donc, mon exposé va se construire en trois points. Dans un premier temps, on va revoir ensemble les éléments de la campagne de culture 2019-2020 pour que l'on comprenne comment on est arrivé à ces niveaux de rendement et à cette qualité. Ensuite, je vous parlerai de la qualité du blé tendre destiné à l'alimentation humaine.
Et enfin, je finirai avec un focus pour l'alimentation animale avec le blé tendre et les orges fourragères. Donc, petit retour sur la campagne de culture 2019-2020. Cette campagne de culture a été très compliquée, très mouvementée, et ce, dès le départ. En effet, on avait des conditions de semis qui étaient difficiles, voire impossibles, du fait de pluies anormalement abondantes et fréquentes. Du coup, on a observé deux choses. La première, c'est qu'on a eu un étalement des dates de semis inédit, qui a causé des décalages dans les stades de culture par la suite. Le second, c'est que les agriculteurs n'ont pas pu toujours aller semer les blés et les orges qu'ils voulaient semer à la base. Du coup, on observe une diminution des surfaces de culture en blé tendre d'hiver et en orge d'hiver. Une partie de ces surfaces ont été semées sur d'autres céréales, telles que l'orge de printemps. Donc, il faut bien avoir en tête que cette baisse de surface en orge d'hiver et en blé tendre d'hiver est due au contexte climatique, ce n'était pas une volonté des agriculteurs. Donc, après avoir eu un automne, un début d'hiver extrêmement pluvieux, on a connu un printemps extrêmement sec, avec là aussi plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est qu'on a vu apparaître des stress hydriques plus ou moins importants en fonction du type de sol. Lorsqu'on est sur un sol superficiel qui a peu de réserves en eau, on avait des stress hydriques qui étaient très importants. Les sols profonds, eux, s'en sont mieux sortis. L'absence de pluie au printemps a également dégradé les conditions de valorisation de l'azote, sauf pour le troisième apport d'azote qui a bénéficié d'un retour des pluies. Seul avantage du manque d'eau au printemps, c'est que ça a permis de limiter la pression maladie. Donc, cette sécheresse printanière a eu de gros impacts sur les niveaux de rendement sur les céréales françaises, avec une baisse, comme l'a présenté Philippe tout à l'heure, une baisse des rendements. Et en plus, ces rendements étaient extrêmement hétérogènes, c'est-à-dire que pour une même variété cultivée dans deux parcelles, une à côté de l'autre, on avait des rendements qui pouvaient aller du simple au triple. Enfin, la campagne de culture pour les céréales à paille a mieux terminé qu'elle n'a commencé, avec des conditions qui étaient favorables pour préserver les critères de qualité, comme on va le voir par la suite. Donc, je vais commencer avec les critères de qualité pour le blé tendre à destination de l'alimentation humaine. Alors, quelques rappels de chiffres. Donc, on vient de voir lors du bilan de campagne qu'on a eu des pluies extrêmement abondantes à l'automne qui ont causé une baisse des surfaces, un printemps extrêmement sec qui a causé une baisse des rendements. Si on multiplie une baisse des surfaces à une baisse des rendements, on obtient une baisse de la production qui est estimée à 29,1 millions de tonnes. Sur la carte à droite, je vous ai mis la répartition de la collecte française. La collecte française en blé tendre se fait majoritairement dans la moitié nord du pays. Alors, quel type de blé ont semé nos agriculteurs français? Donc, chaque année, je vous présente ce graphique. On a des agriculteurs qui sont soucieux de produire des blés de qualité pour répondre à un maximum de débouchés. C'est pourquoi ils sèment une grosse majorité de blé panifiable, comme on peut le voir sur ce graphique. Cette année, ils avaient semé 92% de blé panifiable, 6% de blé améliorant, c'est-à-dire des blés avec de fortes teneurs en protéines, puis le reste se partageait entre des blés à destination fourragère et des blés à destination biscuitière. Pour qualifier la qualité de la récolte française, nous avons fait avec France Agrimaire une enquête auprès des organismes stockeurs. Nous sommes aller chercher 525 échantillons à l'entrée des silos de collecte, donc avant toute opération de nettoyage et de séchage des grains. Nous les avons analysés. Donc, ces échantillons se répartissent comme suit. On a analysé 462 échantillons de blé standard, 39 échantillons de blé de force et 24 échantillons de blé biscuitier. Le code couleur qui est à l'écran est important à retenir puisque par la suite de l'exposé, je vais vous présenter les résultats par type de blé. Alors, tout d'abord, la teneur en eau et les indices de chute de Hagberg. Donc, c'est deux critères qui sont très liés aux conditions de fin de cycle. Comme on l'a pu voir sur le bilan de campagne, on avait une fin de cycle favorable avec un temps généralement sec. Du coup, on a pu récolter des blés avec de faibles teneurs en eau, comme on peut le voir sur le graphique à gauche. Donc, on a une moyenne de teneur en eau qui est de 12,7% à l'échelle nationale. Et on peut voir que, quel que soit le type de blé, les teneurs en eau sont très majoritairement inférieures à 14% d'humidité.
Donc, au total, tout type de blé confondu, on a 91% de la collecte qui présente une teneur en eau inférieure à 14%. Pour les mêmes raisons, du fait du temps sec jusqu'à la fin de cycle, on a des indices de chute d'Ackermann qui sont d'un très bon niveau, avec 95% de la collecte qui est au-dessus de 240 secondes. Donc, quel que soit le type de blé, comme on peut le voir sur ce graphique, les indices de chute de Hagberg sont d'un très bon niveau. Côté poids spécifique, donc au moment du remplissage des grains, on avait un temps sec et ensoleillé. Ça a permis de mettre en place un fort potentiel de poids spécifique. Comme il n'y a quasiment pas eu de pluie jusqu'à la fin de la culture, ce potentiel a été préservé. Du coup, on a des poids spécifiques qui sont élevés à 79,2 kg par hectolitre à l'échelle nationale. On observe bien sûr des poids spécifiques différents en fonction du type de blé, comme on peut le voir sur ce graphique. Les blés biscuitiers sont connus pour avoir des poids spécifiques plus petits, c'est bien ce qu'on observe ici, avec 68% de la collecte de blé biscuitier qui se situe en dessous de 78 kg par hectolitre. Les blés améliorants et de force, eux, ont en général les plus gros poids spécifiques. Et on a 87% de la collecte de blé améliorant de force qui présente des poids spécifiques supérieurs à 78 kg par hectolitre en moyenne cette année. Enfin, les poids spécifiques des blés standards sont d'un très bon niveau, avec 84% de la collecte au-dessus de 78 kg par hectolitre. Donc des poids spécifiques très élevés, proches de ceux obtenus l'année dernière. Et je vous rappelle que l'année dernière, on était sur la deuxième meilleure année depuis 20 ans pour ce critère. Nous avons également voulu vous montrer trois critères qui sont en rapport avec la valeur meunière et dont les résultats sont très favorables cette année. Il s'agit de la dureté, de la teneur en cendre et des poids de 1000 grains. Tout d'abord, la dureté. Donc, là aussi, en fonction du type de blé, on va observer des duretés différentes. Les blés biscuitiers sont génétiquement soft à medium soft, c'est-à-dire qu'ils ont des duretés inférieures à 50. À 50. Et là, on voit bien qu'on a la totalité de la collecte française qui ont des duretés inférieures à 50. Habituellement, les blés standards et les blés améliorants de force sont dans la catégorie medium hard, c'est-à-dire avec des duretés entre 50 et 75. Et cette année, on a des duretés beaucoup plus élevées que d'habitude, avec 88% de la collecte de blés améliorants de force qui ont une dureté supérieure à 75 et 77% de la collecte de blé standard qui présente une dureté supérieure à 75. Ensuite, pour la teneur en cendre et pour les poids de 1000 grains, nous avons réalisé les analyses uniquement sur les échantillons de blé standard. Donc en bleu foncé, vous avez à chaque fois la valeur de 2020 et en hachuré, la moyenne des 5 dernières années. Concernant la teneur en cendre, on peut voir qu'on a des teneurs en cendre qui sont légèrement inférieures à la moyenne des 5 dernières années, avec une moyenne nationale estimée à 1,6%. On a 62% de la collecte qui a une teneur en cendre inférieure à 1,6. Donc, on a des blés qui sont très peu cendreux cette année. Côté de poids 1000 grains, on a des gros grains cette année, puisqu'on a des poids de 1000 grains moyens qui sont estimés à 39 grammes de matière sèche. Et comme on peut le voir sur ce graphique, ces valeurs sont beaucoup plus élevées que la moyenne des 5 dernières années. Et on a 2 tiers de la collecte qui présentent des poids de 1000 grains supérieurs à 38 grammes par matière sèche. Je vous propose maintenant de passer à la teneur en protéines. Au début de mon exposé, je vous ai dit qu'au printemps, on avait des conditions qui étaient défavorables à une bonne valorisation de l'azote. Et pour autant, on a des teneurs en protéines qui sont satisfaisantes. Cela s'explique par 2 choses. D'abord, il y a eu un effet de concentration de l'azote dans le grain lié au faible rendement. Et puis, on a eu un retour des pluies lors du troisième apport azoté, ce qui a permis de bien valoriser l'azote dans le grain. Donc là aussi, on a des teneurs en protéines différentes en fonction du type de blé. Les blés biscuitiers présentent naturellement les teneurs en protéines les plus faibles, avec 95% de la collecte en dessous de 12%. Pour les blés de force, on va chercher en général des teneurs en protéines supérieures à 14% de protéines. Et là, on voit qu'on a 100% de la collecte qui présente des teneurs en protéines supérieures à 14%. Et enfin, pour nos blés standards,
on a 84% de la collecte qui présente des teneurs en protéines supérieures à 11%. Donc, on a des teneurs en protéines en quantité satisfaisante. Qu'en est-il maintenant de la qualité? Pour qualifier la qualité, nous avons réalisé des mesures de W, de force boulangère, pardon, et de gluten index. Donc, à gauche de l'écran, vous avez le graphique qui représente la distribution des forces boulangères pour les blés français. Donc, je rappelle que c'est un critère qui est mesuré à l'alvéographe de Chopin. Pour les blés biscuitiers, en général, on cherche des forces boulangères inférieures à 150, voire 130. Là, on a quasiment on a la totalité de la collecte qui ont des forces boulangères inférieures à 150. Pour les blés de force, en général, nous cherchons des forces boulangères supérieures à 350 secondes. Et là, on voit qu'on a 96% de la collecte de blés améliorants de force qui présentent des forces boulangères supérieures à 350. Enfin, concernant les blés standards, donc en France, dans les utilisations, on cherche souvent des forces boulangères sur les blés standards supérieures à 170. Et là, on peut voir qu'on a 72% de la collecte qui présente une force boulangère supérieure à 170. Nous avons également fait des mesures de gluten index sur les échantillons de blés standards. Alors, comment on interprète le gluten index? Lorsqu'on a un gluten index supérieur à 80, on dit que les blés sont tenaces. Lorsqu'on a un gluten index entre 60 et 80, on dit qu'on est sur des gluten équilibrés. Et en dessous de 60, on parle de gluten extensible, qui va donner des pâtes extensibles. Là, on voit qu'on a des gluten qui sont de 82% en moyenne, donc qui vont témoigner de la bonne résistance des pâtes. Au total, on a 62% de la collecte qui présente des gluten index supérieurs à 80. Donc, autre critère mesuré à l'alvéographe de Chopin, ce sont le rapport ténacité sur extensibilité, ou appelé également P sur L, et l'indice d'élasticité. Cette année, nous avons des P sur L très équilibrés, quel que soit le type de blé. On a une moyenne nationale qui est estimée à 1. Vous en souvenez sans doute, l'année dernière, c'était un problème, on avait de gros P sur L. Là, on revient à des P sur L totalement équilibrés. Donc, avec 100% de la collecte de blé biscuitier qui présente des P sur L inférieurs à 0,4. On a 93% de la collecte de blé améliorant ou de force qui présente des P sur L inférieurs à 0,8. Et enfin, on a 77% de la collecte de blé standard qui présente des P sur L inférieurs à 0,8. Donc, on a des indicateurs qui témoignent de la bonne plasticité des pâtes. De la même façon, nous avons mesuré les indices d'élasticité. Alors, pareil, pour l'indice d'élasticité, comment on l'interprète? Alors, quand on a un indice d'élasticité inférieur à 50, on va dire qu'on va avoir des pâtes plutôt extensibles. Entre 50 et 55, on va parler de pâtes plutôt équilibrées. Et enfin, au-dessus de 55, on va avoir des pâtes plutôt élastiques. Alors, élastique, je vous rappelle, c'est quand lorsqu'on va étendre la pâte, on va regarder sa tendance à revenir sur sa forme initiale. Alors que l'extensibilité, on va regarder la capacité de déformation de la pâte sans se déchirer. Donc là, on peut voir que naturellement, on va retrouver les blés biscuitiers avec les indices d'élasticité les plus faibles, donc avec 75% de la collecte en dessous de 45. Les blés améliorants de force vont avoir les indices d'élasticité les plus élevés, donc c'est des blés qui sont plus tenaces, avec la totalité de la collecte au-dessus de 55. Et enfin, on peut voir que les blés standards sont en majorité équilibrés, avec 55% de la collecte entre 50 et 55 d'indice d'élasticité. Nous nous sommes intéressés également au comportement boulanger des blés. Donc, pour cela, nous avons réalisé des tests de panification de type pain courant français. Donc, c'est un test en direct. Donc, on va faire du pain et lorsqu'on va faire le pain, on va noter une trentaine de notes intermédiaires qu'on va agréger pour obtenir une note sur 300. Lorsqu'on obtient une note totale de panification supérieure à 250 sur 300, on dit que les valeurs sont d'un très bon niveau. C'est bien le cas cette année, donc avec une moyenne nationale à 254 sur 300. On a 71% de la collecte qui présente une note totale de panification supérieure à 250 sur 300. Si on regarde ce qui se passe durant le test de panification, la première chose remarquable,
c'est qu'on a des très bonnes hydratations en test de panification supérieures à celles observées sur les 5 dernières années. Donc, l'hydratation moyenne est estimée à 60%, avec 89% de la collecte qui présente une hydratation supérieure à 59%. Donc, on est au-dessus de ce qu'on observe habituellement. Ensuite, on a des très bonnes caractéristiques de pâte et on a également un bon comportement de pain avec des coups de lame bien développés et de très beaux volumes, comme on peut le voir ici. Les volumes sont beaucoup plus élevés que la moyenne des 5 dernières années. Donc, on a des volumes moyens qui sont estimés à 1660 cm3 et on a 83% de la collecte qui présente des volumes supérieurs à 1600 cm3. Donc, de très bons résultats au test de panification. Donc, j'en ai fini avec les blés tendres à destination de l'alimentation humaine. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'on a de faibles teneurs en eau qui vont être compatibles avec une bonne conservation des grains, des bons indices de chute de Hackberg, des PS très élevés. Ensuite, on a de la protéine en quantité et en qualité. Et enfin, on a des critères qui sont favorables à une bonne valeur meunière. Je vous propose maintenant de passer à l'alimentation animale avec tout d'abord deux critères pour le blé tendre. Donc, les résultats qui sont présentés sur cette diapositive sont issus du même dispositif dont je viens de vous parler. Donc, pour les blés tendres à destination de l'alimentation animale, on a une moyenne de 12,7% de protéines. Et comme on peut le voir sur ce graphique, on a 84% de la collecte qui a une teneur en protéines supérieure à 12%. Donc, c'est à peu près les mêmes valeurs que l'année dernière. On est un petit peu plus bas que la moyenne des 5 dernières années, mais on a une valeur proche de celle obtenue en 2019. Côté teneur en amidon, on a une teneur en amidon qui est légèrement plus élevée que la moyenne des 5 dernières années. Elle est estimée à 69,1% en moyenne. Et comme on peut le voir sur ce graphique, on a 94% de la collecte qui présente une teneur en amidon supérieure à 68%. Donc voilà pour le blé tendre. Je vais finir par les orges fourragères, avec tout d'abord quelques rappels de chiffres des orges en général, donc orges fourragères et orges brassicoles comprises. Donc, cette année, on a des surfaces en orge qui sont estimées à 2 millions d'hectares. On observe une baisse des rendements du fait de la sécheresse printanière, comme on peut le voir sur ce graphique. Ils sont estimés à 53 quintaux par hectare. Et cela a une conséquence sur les niveaux de production qui sont baissiers et qui sont estimés à 10,5 millions de tonnes. Alors, côté qualité, pour les orges à destination de l'alimentation animale, on observe, comme pour le blé tendre, des teneurs en eau très faibles, à 12,4%, et on peut voir qu'on a près de 80% de la collecte d'orges fourragères qui présente des teneurs en eau inférieures à 13,5%. Côté poids spécifique, donc sur le graphique en haut à droite, on peut voir qu'on a des poids spécifiques qui sont de 66 kg par hectolitre en moyenne, avec 85% de la collecte au-dessus de 64 kg par hectolitre. Et on a même 62% de la collecte qui se situe au-dessus de 66 kg par hectolitre. Côté teneur en protéines, on a des teneurs en protéines qui sont beaucoup plus élevées que celles observées en 2019, comme on peut le voir sur ce graphique. On est complètement décalé vers la droite. On a une moyenne nationale qui est estimée à 12%. Et on voit qu'on a à peu près 70% de la collecte qui est au-dessus de 11,5% de protéines. Et je finirai avec les teneurs en amidon. Donc là, c'est la première année qu'on réalise cette analyse. Donc, on n'a pas de comparatif par rapport à l'année 2019. Cette année, on a une teneur en amidon qui est estimée à 59% à l'échelle nationale. Et on a près de 75% de la collecte d'orge fourragère qui a une teneur en amidon supérieure à 58,5. Donc, j'en ai fini pour la présentation de la qualité pour les céréales à paille. Comme vous pouvez le voir, on a une qualité qui devrait satisfaire tous les débouchés. Je vais laisser la parole à mon collègue Thomas Joly. Merci de votre attention. Merci Adeline, je prends la main.
Donc voici, bonjour à tous, Thomas Joly, également arvaliste Institut du Végétal, et je m'occupe de la filière maïs. Donc je vais revenir en quelques diapos sur la campagne qui vient de s'écouler, la récolte vient de s'achever, et puis vous donner quelques éléments à la fois plutôt quantitatifs et quelques éléments qualitatifs dont on dispose à ce jour. Donc en quelques mots, je pensais revenir aussi sur l'automne 2019, quand on s'était vu en décembre l'année dernière. Donc je vous avais annoncé que la récolte n'était pas finie, qu'on avait eu beaucoup d'eau sur le sud-ouest et qu'il restait encore des maïs dans les champs. C'est pas du tout le cas cette année, mais voilà, revenir sur cet épisode quand même de l'automne-hiver 2019-2020. Qui a connu des excès d'eau assez importants sur le sud-ouest et plus globalement sur la façade atlantique, et qui a eu des conséquences sur les semis d'automne en Serra La Paille, et puis également sur les débuts de semis de culture de printemps, et ce qui a pour conséquence au niveau national français un report des cultures sur des cultures d'automne, de cultures de printemps, pardon, et notamment le maïs. Et donc, on enregistre une hausse des surfaces de l'ordre de 10% cette année sur l'ensemble de la France comparé à ce qu'on a connu les années précédentes. Donc, on reviendra en détail sur ces chiffres, mais voilà, un impact assez important sur les surfaces. Si on revient sur les conditions de semis, alors je vous disais, beaucoup d'eau à l'automne, c'est la carte que vous avez en haut à gauche de votre écran, donc beaucoup d'eau entre début novembre et fin mars, hein, donc fin mars c'est là où on commence les semis de maïs. Et puis sur la carte qui suit, en fait, donc vous avez les pluies d'avril jusqu'à mi-juin, et vous voyez que le sud-ouest a été copieusement arrosé sur cette période-là. On verra que ça a été moins le cas sur la partie estivale, là où le maïs a le plus besoin d'eau. Mais du coup, donc juste rappeler que les conditions d'implantation étaient un peu délicates. Vous avez ici la cinétique de mise en place des semis sur les régions françaises. Alors celles qui peut-être, on peut faire un zoom sur le sud-ouest. Vous avez ici en vert la région Midi-Pyrénées. En rouge, la région Aquitaine, et puis en vert clair, Poitou-Charentes. Donc, vous voyez que Poitou-Charentes a semé relativement tôt, comme à son habitude, avec peut-être un peu moins de pluie que dans le sud-ouest. Et puis, dans le sud-ouest, des semis assez échelonnés, avec des vagues de pluie, des vagues d'un peu plus de froid éventuellement, qui ont un petit peu décalé les semis dans le temps, donc qui ont échelonné la mise en place des maïs sur le printemps 2020. Donc tout ça, ça a eu des conséquences sur les implantations. Vous imaginez que donc des maïs qui sont mis dans des conditions un peu délicates. On a eu aussi quelques températures relativement fraîches. Et puis, à partir du 20 juin jusqu'au mois d'août, on a eu très peu d'eau. Donc, des maïs qui ont des difficultés à s'implanter et ensuite qui sont peu alimentés en eau. Vous avez ici les pluies qui sont tombées sur la période estivale et donc qui ont fortement, l'absence de pluie a fortement pénalisé les rendements. On fera le bilan tout à l'heure d'un point de vue quantitatif. Ici, en fait, j'ai remis les pluies du 15 juin au 15 juillet. Et ici, sur le mois de juillet, en fait, l'idée, c'était d'encadrer les floraisons. Comme vous le savez, le maïs a besoin d'eau essentiellement autour de la floraison. C'est au moment où on va féconder les grains et puis ensuite les remplir. Et donc, c'est là où il est le plus sensible au stress hydrique. Et donc, on voit effectivement que globalement, sur le mois de juillet en France, vous avez eu moins de 20 ou moins de 40 mm, ce qui est assez inhabituel et qui a eu un impact assez dépressif sur la quantité de maïs disponible, donc globalement sur l'Hexagone, mais notamment sur le sud-ouest. Bien entendu, les maïs irrigués ont pu pallier à ce déficit de pluviométrie, mais ça n'a pas été forcément sans conséquences. Donc voilà, donc des difficultés d'implantation et un été très très sec, donc qui impacte le volume disponible.
Ici, les cartes, donc c'est un autre indicateur que l'on suit, c'est la pluie moins l'évapotranspiration, donc c'est-à-dire c'est l'eau qui tombe au sol moins ce qui est évaporé par les plantes. Et en fait, voilà, juste pour vous dire que quand on dépasse les 150, donc c'est 150 millimètres sur l'espace d'un mois, en fait, c'est ce qu'on estime en termes de dimensionnement des irrigants. C'est ce qu'on est capable d'apporter en quantité d'eau sur un mois. Et on voit effectivement qu'on sur certaines régions, on dépasse ce seuil un peu indicateur et qui nous rappelle aussi que bah, nos équipements atteignent leurs limites, donc à la fois les limites en termes humains et en termes d'équipement. Et donc, y compris chez les irrigués, il était parfois un peu difficile de suivre la cadence et la demande estivale en eau pour apporter tout ce dont nos maïs avaient besoin. Donc voilà, quelques cartes pour revenir en plus en détail sur le disponible maïs de cette année. Donc vous avez sur la première carte les superficies, où je vous annonçais en début d'exposé effectivement des pluies sur l'automne-hiver qui ont empêché les semis de culture d'automne, et donc un report sur les cultures de printemps, et notamment le maïs. Donc on enregistre 10% de hausse globalement sur l'Hexagone. Alors vous avez le petit indicateur hein, en fonction des couleurs, c'est par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc si on est en vert, c'est qu'on est à 5% au-delà de la moyenne. En jaune, c'est qu'on est dans la tendance, hein, plus ou moins 5%. Et en rouge, c'est quand on enregistre une baisse de plus de 5% sur la région par rapport à la moyenne quinquennale. Donc, vous voyez une forte hausse sur le nord-ouest, avec peut-être aussi des régions qui sont moins pourvues en maïs habituellement. Donc, la hausse en pourcentage s'exprime d'autant plus fortement. Et puis, on va dire légère hausse, voire stabilité, ou légère baisse partiellement dans certaines régions du sud-ouest, où on est voilà, sur des zones, quand je prends Aquitaine, Midi-Pyrénées, des zones traditionnelles maïs, où on est déjà à un niveau relativement élevé de maïs, et donc les variations sont assez minimes. Peut-être à noter quand même une hausse sur le bassin Poitou-Charentes hein, qui peut donc vous alimenter l'ensemble des maïs du sud-ouest qui peuvent éventuellement alimenter le marché espagnol. Au niveau des rendements, et ben le constat, je vous l'ai montré tout à l'heure en termes de pluviométrie et de disponible en eau pour les maïs. Ben effectivement, quand il n'y a pas d'eau l'été, ça devient quand même très difficile pour des maïs en sec. Globalement, si on prend la sole française de maïs, hein, faut compter 35% des surfaces en irriguées. Donc, on a quand même les deux tiers qui sont en maïs pluviaux, hein, donc sans irrigation. Et donc, ben, forcément, le rendement global en petit, et on a une baisse des rendements, donc toujours avec le même code couleur, hein, donc de l'ordre de plus de 5% sur les régions du sud-ouest. Et puis en production, vous ben, voyez le. On est globalement en jaune-rouge sur les zones traditionnelles maïs. Et puis, on reste en positif, donc une hausse de production sur le nord-ouest de la France, mais essentiellement guidée par la hausse des surfaces. Ce n'est pas une hausse de rendement, c'est vraiment la hausse de surface qui va impacter le disponible. Donc, on était sur une estimation de production de 13,6 millions de tonnes. Ça, c'est une estimation qu'on avait faite début novembre, pardon, qu'on peut éventuellement revoir. On a peut-être quelques rectifications à la baisse, mais voilà, l'ordre de grandeur, on va dire 13 à 13,5 millions de tonnes de production. Donc, un peu moins pour la collecte, mais voilà le disponible au niveau français. Avec des conséquences forcément hein, sur le sud-ouest, donc des collectes localement qui sont dépréciées de 5, 15, voire 30% très localement chez certains organismes stockeurs. Donc voilà un disponible qui est quand même un peu restreint cette année pour certaines régions. Ce qu'on peut dire
tout de même, c'est que malgré des semis assez échelonnés, malgré ce début de campagne délicat, l'été très sec, bon, le maïs a quand même permis d'assurer près de 9 tonnes hectares sur la France en moyenne. Et puis, on a des récoltes qui sont faites relativement tôt, donc rien à voir avec ce qu'on avait vu l'an dernier. Et donc, ce qui est à la fois donc des maïs qui sont récoltés tôt et relativement sec, donc un peu plus sec que ce qu'on a l'habitude de ramasser. Donc, ce qui est un bon indicateur à la fois en termes de qualité physique du grain, mais aussi en termes de qualité sanitaire. Donc, le fait de pas trop attendre pour la récolte, ça limite aussi les risques que l'on peut prendre vis-à-vis de la qualité sanitaire du maïs. Et puis deux dernières diapos en chiffres. Alors ben voilà, c'était pour détailler le sud-ouest, hein, les bassins qui peuvent approvisionner le marché espagnol. Vous avez les évolutions de surface. Donc vous voyez une petite hausse par rapport à l'an dernier. Donc 2020, on arrive à 500, presque 580 000 hectares sur le sud-ouest, donc les deux régions confondues. La petite hausse qu'on peut observer, c'est relativement stable sur l'ensemble de la région, sur le sud de la région. Et la hausse qu'on va observer, elle est principalement sur Poitou-Charentes, c'est-à-dire au nord de Bordeaux. En termes de rendement, on est autour de 86 quintaux hectares sur l'Aquitaine, donc sur la région qui est ici en bleu. Et puis en rouge, donc sur l'Occitanie, on est à 79 quintaux hectares. Donc ce que je vous ai illustré tout à l'heure, donc une baisse par rapport à ce qu'on a en référentiel. Et puis en production, vous voyez, on retombe sur une moyenne. On est légèrement inférieur par rapport à la moyenne de quinquennale. Donc, on est à 7% en dessous de la moyenne quinquennale et on a un disponible sur ces deux régions qui est légèrement inférieur aux 5 millions de tonnes, donc 4,9 millions de tonnes de production sur ces deux régions. Et enfin, donc les aspects qualité. Alors malheureusement, je n'ai pas à ce jour les retours sur les aspects qualité. On les aura début d'année 2021, probablement courant du mois de février. Mais je voulais quand même vous remettre quelques indicateurs pour vous montrer les compositions des grains du sud-ouest que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, des proportions, on va dire, en amidon, protéines, matières grasses, et puis ici en bas, donc l'énergie métabolisable. Voilà, je voulais remettre quelques indicateurs donc de l'observatoire partagé France Agrimaire et Arvalis pour montrer à la fois la régularité de ces indicateurs-là. Alors peut-être qu'il y a eu un petit à-coup 2018-2019. 2019, je vous rappelle, était une année exceptionnelle parce qu'on a récolté tard, et 2018 était une année exceptionnelle dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on avait récolté relativement sec et tôt, et donc a priori on devrait se diriger vers un retour à la moyenne sur l'ensemble de ces indicateurs-là sur la campagne 2020, donc à confirmer avec les prochains retours. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur le maïs. Retenez effectivement que si le disponible est en quantité un peu moins important que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur le sud-ouest, on est quand même sur des indicateurs intéressants en termes de récolte relativement précoce et sèche. Donc a priori, les indicateurs devront être ouverts tant au niveau de la qualité physique que de la qualité sanitaire. Voilà, merci à vous. Merci à Adeline, merci Thomas pour votre présentation, c'est très intéressant. Et tout de suite, nous aurons Fabien Falk et Denise Mousto de Agrios pour présenter la situation de la France au marché de céréales. Merci
Président, bonjour à tous et à toutes. Donc, Denis Mousteau, Val de Gascogne. J'ai réalisé cette présentation avec mon collègue Fabien Falck de Calisol. On va vous présenter la structure Agréos, ce qu'on y produit et collecte, notre business avec l'Espagne, la qualité que l'on peut avoir au plus près de chez vous et quelques idées sur ce qui va se passer pour la campagne à venir. Agréos, c'est l'union de quatre coopératives qui sont représentées ici sur la carte, donc Calisol, Capel, Unicor et Val de Gascogne, avec des entités négoces qui sont propres à Val de Gascogne et à Calisol. On est trois qui mettent à marché. Donc, il y a Magali Boutet qui s'occupe de toute la partie oléagineux, fourragère et blé dur. Et Fabien Falck de Calisol et moi-même, des BPMF et blé améliorant. Alors, on est présent sur 50 silos géographiquement, entre le sud de Lot-et-Garonne, le Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne. Alors, globalement, on agit, on collecte à peu près 145 000 hectares de céréales qui représentent 750 000 tonnes pour la campagne R19 et un chiffre d'affaires de 141 millions. C'est quand même une structure qui est très impactée avec une forte dominante sur les semis d'automne. Donc, on est à plus de 60% des producteurs de blé tendre, blé améliorant, enfin de céréales, orge triticale. Ce qui est dans nos gènes, c'est de faire de la variété pure le plus possible, notamment sur la partie blé améliorant, qui est représentée ici par cette variété. Donc, Isalco, Rebelde, Bologna, Forcali, Gian Bologna qui a débuté cette année et un peu plus, de façon un peu plus conséquente pour l'année prochaine, Valbona et Galibier, Pache et Delorégrin. Et troisièmement, on fait partie des intervenants majeurs dans le sud-ouest sur la partie tracée et blé de qualité avec la production de produits sous norme NF, CRC label rouge et maintenant depuis cette année avec la nouvelle apparition de l'HVE. Alors, juste là pour reprendre notre implantation géographique dans le sud-ouest, on voit ici qu'on peut irriguer une grande partie du nord de l'Espagne, que ce soit côté Navarre et Pays Basque en passant par Irun, que ce soit de l'autre côté Midi par le Pertus et plus naturellement encore par les trois tunnels qui sont le Somport, Bielsa et Viella. Donc, un accès prioritaire pour nous sur la péninsule, le nord de la péninsule ibérique, que ce soit pour les fabricants de Pitenso et Meunerie. Alors, en détail, on va le voir un peu plus ici, c'est-à-dire que 60% de toute notre collecte Agréos est à destination de l'Espagne et 40% pour la France, bon, dans les nationales, et 60% vers l'Espagne. Donc, vous voyez ici qu'on est très tourné vers la péninsule ibérique. Alors, en BPMF, c'est une situation qui est globalement assez équilibrée, mais quand même favorable à l'Espagne, avec 55% et 45% pour la France. En blé améliorant, on est très tourné vers la meunerie espagnole, avec 70% de nos volumes qui partent en Espagne et 30%
en France. Sur la partie oléa, c'est l'inverse, là. L'Espagne est un peu moins priorisée en faveur de la France, avec 38% pour l'Espagne et 62% pour la France. Et sur la partie fourragère, donc orge et maïs, toujours l'Espagne qui est prédominante. Donc, vous voyez bien, on est très, très orienté Espagne. Alors, stratégiquement, ce qui est très important pour nous, c'est l'écoute client. Ça, c'est prioritaire, c'est-à-dire qu'il est important de savoir ce que le marché a. Et là, j'attacherai un point particulier. Bon, alors sur de la variété pure, je l'ai dit, parce qu'on allote beaucoup. Et ce que l'on souhaite, grâce à cette écoute client, c'est anticiper ses besoins. Parce que le pire pour nous, c'est d'avoir une demande qui nous arrive. Arrive comme ça sur l'année et de ne pas l'avoir pu anticiper. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut, au-delà de ça, juste pour rappeler que l'anticipation, c'est aussi pour avoir des semences CG4, multiplication, pour avoir la semence disponible pour semer l'année N. Du coup, on est presque 2 ans d'anticipation. Donc, lorsqu'on négocie et on discute avec vous, chers clients, sur les futurs marchés, c'est important de mettre tout ça en amont. Donc, si on fait un point sur la collecte R20, globalement, on a eu, nous aussi, bien évidemment, on a été très impacté par la sécheresse et du coup, avec une petite collecte d'été, suivie d'une faible collecte d'automne aussi, hein, toujours impacté par la sécheresse, avec 30% en moins de serre à la paille. Du coup, ça nous impacte fortement les tonnages sur la campagne de production. Avec, ça c'était un fait marquant de la campagne passée, un gros report de stock, c'est-à-dire que entre 20 et 25% de nos serrales produites ont été mises en report. Par contre, comme il a été dit dans les précédents exposés, on a une excellente qualité. J'y viendrai après en faisant un focus sur la partie blé améliorant. Globalement, je pense que cette année, on a vraiment eu une bonne qualité de nos blés. Et même ce qu'on avait en report était bien de l'année d'avant, avec une qualité sanitaire très globalement satisfaisante. Pour cette campagne-ci. Les perspectives pour la campagne à venir, aujourd'hui, en lien avec la petite collecte que nous venons de réaliser, on peut d'ores et déjà dire qu'on aura un faible report de stock, donc bien moins important que l'année dernière. Le marché va s'être globalement apuré, avec une réduction de ce report de stock qui était notamment très impacté sur la partie blé améliorant. Aujourd'hui, on est en période de Covid et on n'a pas analysé tout à fait l'impact de ce Covid sur la baisse d'utilisation des productions. Les gens disent entre 10, moins 20% peut-être. Donc, ça va être une chose qui va impacter sur le marché. Globalement, on a un marché qui est short en général sur quelques productions que ce soit. C'est-à-dire que notre petite collecte nous pénalise sur le marché qui est demandeur. On a globalement aussi toutes les productions qui ont un coût en lien pour nos clients. Bon, nos agriculteurs sont contents, mais on pense aussi aux clients et aux coûts de production derrière. Faisons un petit focus
sur les 5 dernières années de blé de force sur Agrehos. On a un bilan pour la campagne qui est très satisfaisant, je pense, hein, avec une protéine assez élevée, au-dessus de 15, d'une manière générale, pour cette récolte 2020. Un taux d'adberg qui reste cohérent avec les exigences du marché. La campagne est marquée par un gros W cette année, à plus de 400. Un P Sorel qui s'est rééquilibré aussi, hein, autour de 0,7, et un indice d'élasticité qui était à 69. Donc globalement, ce qu'on peut dire ici sur cette campagne, pas de problème majeur sur notre collecte. Donc n'hésitez pas à nous questionner, je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde en fonction du marché. La stratégie, notre stratégie sur la partie sanitaire, on avait eu quelques soucis il y a 2 ans notamment. Alors, quelle est notre stratégie? C'est-à-dire, c'est la sélection de tolérants aux maladies, notamment à la FUSA, ça c'est prioritaire. Avoir des précédents agronomiques cohérents en lien avec cette problématique sanitaire, c'est-à-dire éviter les blessures roulées et les précédents maïs éventuellement sans labour. Une protection adaptée qui suive l'avancée des maladies et qui nous permette de mettre en place une protection adaptée. Denis, on vous a perdu. Désolé, je suis revenu, mais ouais, j'ai tac tac. Désolé, petit souci technique. Je parlais, nous réalisons en collaboration avec Arvalis des suivis, des monitorings au champ en lien avec la météo, la pluviométrie notamment. Les variétés et les précédents à risque pour voir et analyser par zone quels sont les points de vigilance à mettre en place. Ensuite, lors des premières livraisons, on s'est équipé il y a 2 ans de Raptor, donc nous réalisons des tests rapides sur les tests micro sur les premières livraisons pour valider ce qui était pressenti au champ. Et du coup, après, on établit un plan de stockage pour alloter si le besoin s'en fait sentir. Et on réalise des échantillons moyens sur la cellule pour valider la présence ou non de problématiques sains, loyales et marchands. Un petit point sur la campagne à venir. On peut dire dès aujourd'hui qu'on va avoir une grosse hausse des semis, hein, qui aujourd'hui sont réalisés à 98%. Donc, très grosse hausse de la sole serre à la paille. Ça nous va bien, nous qui nous sommes des coopératives céréalières. Avec
globalement un rééquilibrage entre BPMF et blé améliorant. Du coup, on aura plus de blé tendre meunier que de blé améliorant en proportion, c'est évident. Et parce que ça, c'est issu aussi de l'écoute du besoin client. Hein. Donc, pour ne pas déséquilibrer l'offre, il faut essayer d'ajuster avec ses besoins. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les conditions d'implantation se sont réalisées dans de très, très bonnes conditions. Et les pluies aujourd'hui qui sont attendues sur le sud-ouest cette semaine vont permettre d'homogénéiser ces semis et de voir la campagne s'annoncer sereinement à aujourd'hui. Voilà, enfin, j'ai été peut-être un peu rapide de connexion. Merci bien, Denise, pour votre présentation, très intéressant. Et je pense que les petits problèmes sont solutionnés maintenant. A continuación, vamos a empezar con el turno de preguntas. Siempre cuando tenemos una presentación de cereales franceses, me toca romper el hielo un poco con las preguntas. Yo tengo una pregunta que creo que es importante para todos, incluido para España, y es cómo ven desde Francia la nueva, yo creo que importante noticia de la nueva incorporación de este presidente de los Estados Unidos, que de alguna manera nos da la posibilidad de que haya un cambio en las estructuras comerciales entre Europa y Estados Unidos. Louis, à qui vous adressez la question? J'ai pas bien compris parce que nous on avait à la fois votre question et la traduction dessus. À qui est-ce que la question est adressée et quelle est-elle, s'il vous plaît? Je pense que mon question s'est dirigée à Monsieur Fouté parce que je pense qu'il représente la France. Avec la relation commerciale de la France avec le reste de l'Europe et les États-Unis. Jérôme, si vous avez un moment pour répondre à cette question de José Luis, s'il vous plaît. Oui, rapidement, José Luis, ce que je peux dire à ce stade, c'est que la France se félicite bien évidemment du changement de gouvernement aux États-Unis et espère que ce nouveau gouvernement à Washington permettra non seulement à la France, mais aussi à l'Union européenne d'engager des relations beaucoup plus fluides avec la nouvelle administration Biden que par le passé. Mm-hmm. Merci. Je ne vois pas le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions écrites ou pas de la part de nos participants ou bien des publics.
Yo tengo una pregunta para para Philippe Pacquart y es cómo ve desde el punto de vista de producción francesa la situación de las nuevas exportaciones que hemos visto importantes por parte de Francia para la nueva campaña de cebada hacia China. ¿Puede tener un impacto en la siembra, en las producciones futuras, este importante movimiento por parte de China hacia Francia? Bien, merci pour cette question. En effet, il est certain que en ce qui concerne les orges, en tout cas, la Chine achète préférentiellement à la France parce que nous satisfaisons le cahier des charges très exigeant de la Chine, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc, nous pensons en effet que nous avons véritablement des débouchés pour certains, pour quelques années, en tout cas sur l'orge. Sur le blé tendre, également parce que la Chine, qui jusqu'à présent achetait très peu de blé tendre, se met à en acheter. Donc, il y a en effet une dynamique très forte pour l'instant, ce qui nous permet en effet pour nous, spécialement de compenser la perte des marchés vers l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier, puisque l'Algérie s'est ouverte aux producteurs de la mer Noire. Donc, vous le savez bien, les exportations, c'est un équilibre permanent en fonction du prix, en fonction des disponibilités. Donc, actuellement, il est certain que nous avons un déport de nos exportations traditionnelles qui étaient vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, plus maintenant vers la Chine, sachant que la Chine ne représente encore qu'un pourcentage réduit de nos exportations. Si. Il y a une question au chat qui demande la situation de la industrie pour Malterie et quelle est la prévision pour l'année prochaine. Je vais peut-être commencer à répondre et peut-être que Philippe Zell pourra compléter. Aujourd'hui, l'industrie de la malterie est dans une situation très difficile parce qu'il y a la fermeture des restaurants et surtout de tous les cafés. Donc, c'est un débouché fondamental pour la malterie qui est fermée en ce moment. Il y a un plan de soutien pour la malterie qui est discuté avec le gouvernement, mais globalement, structurellement, c'est un marché qui est plutôt en expansion. Là, il y a une consommation de bière de la part des jeunes générations de plus en plus forte. Donc, il s'agit, nous pensons, d'un mauvais moment à passer, mais qui devrait ensuite trouver une solution sur un marché porteur. Peut-être que d'autres personnes peuvent compléter cette question. Oui, en ce qui me concerne, Philippe, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ce que vous avez dit. C'est juste les orges brassicoles à destination de la malterie constituent finalement un marché assez encadré, assez cadré, finalement, avec des acteurs relativement peu nombreux, mais qui vivent un marché en ce moment très perturbé par la chute de consommation de bière notamment et d'alcool d'une manière générale. Qui fait qu'ils vivent un passage difficile, mais dont on pense qu'ils sortiront rapidement. Notamment, on le voit sur des marchés assez éloignés, comme celui du marché chinois, justement, où la consommation est repartie.
autant, voire plus, qu'avant la crise du Covid. Donc, on peut penser que s'il y a un mauvais passage à passer, l'année 2021 devrait connaître une demande assez similaire aux années précédentes. Maintenant, on ne maîtrise pas toutes, les données à ce jour, bien sûr. Merci, Monsieur Roussel. Il y a une autre question. Quelles sont les prévisions d'échange export céréales France, UK et le Royaume-Uni pour après janvier 2021 et surtout pour la campagne 21-22? Bien, tout ce qui touche au Brexit hein, est très compliqué en ce moment parce que nous n'avons pas encore les termes hein, de l'accord final. Ce qui est certain, c'est que les flux d'export de céréales vers le Royaume-Uni dépendent beaucoup des conditions météorologiques. Hein. Ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Donc, en fait, ce facteur météorologique reste là, donc on peut prévoir à 100%. Ensuite, les questions de droits de douane qui ne sont pas tranchées. En l'absence de confirmation sur le réel statut hein, du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, il est difficile de s'engager plus. Mais il est certain que le Royaume-Uni est un très gros importateur de tout produit alimentaire brut et transformé, le restera. Donc, voilà, nous pensons qu'il n'y aura pas de changement fondamental. Après, individuellement, certains producteurs peuvent en effet être plus impactés que d'autres. Là, je réponds un petit peu au niveau global. Merci. Philippe, j'en ai une question pour vous aussi. Vous pensez que vous avez parlé de la situation de l'Algérie pour les exportations françaises. Vous pensez qu'il y a la possibilité de que France ait dans un futur peu près les exportateurs du maïs français du Clasa et de la possibilité d'exporter à la Chine? Vous posez la question à Philippe Pacotte ou bien à moi-même? Peut-être que Philippe Vous-même, vous-même. Président. Alors, en ce qui concerne le marché algérien, effectivement, qui pour l'origine française, pour la France est un marché important en termes de blé tendre surtout, hein, puisque effectivement, historiquement, ces dernières années, l'Algérie c'est le premier marché à l'exportation pour le blé tendre français. Philippe Pacotte a mentionné effectivement que le cahier des charges du marché algérien, le cahier des charges de l'Office algérien des achats de céréales s'était ouvert un peu plus largement, potentiellement, à d'autres origines, comme les origines mer Noire, potentiellement. Dans la réalité, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'achats de l'Algérie de ces origines-là, même très peu. Parce que finalement, ce cahier des charges, il s'est ouvert un peu, mais pas autant qu'on aurait pu le penser à un moment donné, puisque effectivement, le cahier des charges algérien a une caractéristique principale. Pour convenir à la panification algérienne, il faut que les blés ne soient sans bug damage. Donc, l'ouverture du cahier des charges a consisté à autoriser un pourcentage de dégâts de bugs, de punaises plus important, mais accompagné d'une demande en taux de protéines plus important aussi. Ce qui fait qu'en fait, semble-t-il, les exportateurs ne veulent pas prendre le risque qualitatif pour alimenter le marché algérien dans ces conditions-là. Et les Algériens achètent essentiellement sur l'Europe occidentale,
un peu plus sur l'Europe du Nord, alors qu'il est parce qu'il y avait des disponibilités supérieures, et puis que, comme ça a été présenté, la récolte française avait des disponibilités, des volumes un peu inférieurs à une année normale. Donc, effectivement, la question reste posée pour les années à venir. Ça reste pour nous un marché très important en blé tendre. Après, pour le maïs, vous avez posé la question du maïs aussi, je crois, sur la Chine notamment. Pour nous, jusqu'à présent, le maïs français a du mal, même si cette année, on arrive presque à la parité, a du mal à être compétitif avec les maïs des origines américaines d'une manière générale, soit nord, soit sud, et surtout pour aller en Chine. Donc, je ne pense pas qu'on ait un rôle à jouer sur le maïs en Chine. Peut-être dans certains pays, on voit certains pays avec des cahiers des charges très, très stricts, par exemple sans EGM, etc., où bien sûr le maïs français peut garantir cette qualité. Cette question. C'est très spécifique aussi, ce n'est pas du tout des volumes très, très importants. Bon, j'espère que j'ai répondu à aux deux volets de votre question. Sur cette question. Peut-être à tous ces pays, c'est un compétiteur pour l'Espagne dans les années à venir. Possiblement. Non, on ne sait pas. Effectivement, tout ça, ce sont des grandes questions. Mais peut-être que ça pourra faire partir de notre conclusion, s'il y a, moins qu'il y a, il y a peut-être d'autres questions, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Yo solamente me queda dar las gracias a Monsieur Uzel y de alguna manera quiero agradecer el esfuerzo que han realizado. Estas videoconferencias no son fáciles de organizar, menos de llevar a cabo. Y de alguna manera quiero aplaudir la buena disposición por su parte y agradecerles una vez más, esperando que la próxima presentación sea presencial. Podamos estrecharnos la mano y darnos un abrazo. Gracias. Oui, merci à vous, président Esteban. Non, c'était un plaisir de participer à ce webinaire. Malheureusement, effectivement, on aurait préféré se voir à Barcelone ensemble. J'espère que l'année prochaine nous donnera l'occasion de nous revoir. Bien sûr, un grand merci pour votre soutien et votre aide à l'organisation de ce webinaire. Peut-être quelques mots d'une conclusion pour rappeler ce qui a été dit aujourd'hui. On a voulu faire quelques présentations assez variées mais assez ramassées compte tenu de la visio qui n'est pas un moyen facile de communiquer, mais rappeler simplement peut-être que l'année 2020, on arrive enfin de cette année si particulière 2020, bien sûr, avec ce Covid. Et elle nous a réservé beaucoup de surprises, comme vous avez pu le voir, au niveau de la production et puis du commerce des céréales, mais aussi, bien sûr, d'une manière générale pour l'économie. Donc, je remercie en tout cas Philippe Pacotte de France Agrimaire qui a pu faire une présentation générale sur les bilans mondiaux et nos bilans français. Il a détaillé tous les facteurs qui influencent le prix des céréales. Il a mis en avant ce que vous soulignez tout de suite, José Luis, c'est la forte demande chinoise cette année. Et on pensait, après la récolte, avoir un certain nombre de, peut-être une situation avec des bilans confortables. Et puis finalement, on arrive en fin d'année avec une situation assez tendue, d'une manière générale. Et on peut se poser la question, en tout cas, moi, c'est une question que je me pose. Après avoir vécu l'année 2020 en tant que producteur et les difficultés, en tout cas en France et peut-être un peu dans d'autres pays d'Europe climatiques, une petite récolte en quantité, comme ça a été dit, une très bonne qualité, comme ça a été dit aussi par Adeline et puis Thomas. Est-ce qu'on change d'époque
C'est-à-dire, on voit en cette fin d'année un retour à une appréciation des cours, à une certaine volatilité des cours. Est-ce qu'on est en train de passer d'une époque de relative stabilité des cours à quelque chose de plus challengé? En tout cas, beaucoup d'incertitudes cette année, hein, que ce soit au niveau de la production, mais aussi au niveau de la consommation. Donc, peut-être dire que, en tout cas, pour nous, c'est un message que je voudrais faire passer, ainsi que peut-être les acteurs français de la filière céréales, c'est nous répéter notre volonté, malgré une année compliquée en 2020, d'être présents à l'exportation. Nous faisons tout pour y être. Denis Mousteau de l'Union Agréos a expliqué les travaux que faisaient les acteurs, les acteurs de la filière française pour toujours être présent au service de ses clients, que ce soit les clients domestiques comme les clients à l'exportation. Donc, c'est vraiment une volonté forte de la filière française d'être toujours présent. 2021 nous donnera sans doute plus l'opportunité d'être encore plus présent, puisque les surfaces, en tout cas en céréales à la paille, seront plus importantes que celles qu'on a vues en 2020. Donc, peut-être rappeler que si dans le marché des céréales, le prix est un élément déterminant, il y a d'autres éléments qui comptent aussi. La fiabilité d'approvisionnement, notamment, et Jérôme Fauté l'a mis en avant dans son introduction, je le remercie aussi. La filière française des céréales est considérée comme une priorité par ses acteurs, bien sûr, mais aussi par le gouvernement français. Et ça va le rester dans les années à venir. Elle est de plus en plus professionnelle et elle reste mobilisée pour vous servir. Elle a l'avantage pour l'Espagne d'être proche géographiquement et à l'écoute de ses clients. Donc, je pense que les acteurs espagnols et les acteurs français se connaissent bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il nous faut travailler à renforcer ces relations. Et c'est pour ça que c'était important, José Luis, de pouvoir tenir ce webinaire, quoi qu'il en soit, continuer à travailler, continuer à échanger, intensifier nos échanges pour travailler de plus en plus, peut-être en amont, comme le disait Denis Mousteau, connaître ses besoins le plus tôt possible pour être à l'abri des mauvaises surprises telles qu'on a pu connaître cette année autant que faire se peut. Donc voilà, un grand merci de cette possibilité et en espérant qu'on puisse se serrer la main, comme tu disais, prochainement. Merci à tous et en tout cas, merci de votre attention. Merci, à notre fois et à tout à l'heure. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.